On avait une discussion plus tôt ce soir à propos de One Direction qui est venu faire un show dernièrement à Montréal, puis toutes les petites filles crient. Puis... Mais savez-vous, là, bien avant ça, il y avait un autre groupe là, dans le temps que les musiciens pognaient. Là. Époque révolue, évidemment. Ouais. Il y avait les Beatles aussi, les... Il y en a sûrement qui se souviennent de ça ici. Et ça criait, tu vois, c'est retransmis de génération en génération. Fait imaginez-vous qu'on est deux Ringo, là. Ouais. Ou deux, trois ensemble. Donnez-nous un petit velours, là. Flattez notre ego deux un peu, là. Alors, les filles, pour flatter notre ego, on veut vous entendre crier. Comme dans le temps, là. Faites. Simuler. Simuler. Simuler, là. OK, on s'arrête là, s'il vous plaît. on n'est pas au château. OK, les filles! Parce que les maladies transmises manuellement, ça existe, oui. Wow! Hey, doublé sur le Beatles, vu que les filles sont en furie. Dans notre tête. OK, une chanson qui s'appelle... Eight Days a Week. Eight Days a Week? Non, on ne fait pas celle-là. On fait Hard Days Night, je pense. Okay. It's been a hard day. But when I get over you, I've got a thing that you do to me.
T'as René qui va venir vous discutoyer un petit peu. Hey, restez là sur la piste de danse. Notre piste de danse est quand même assez grande. Là. On reste là. Tout à l'heure, je vous avais promis et interpellé en disant qu'on va faire une minute de silence pour les gens de Lac-Mégantic. Vous restez là, les gens, sur la piste de danse, parce que les pas fins, ils vont recommencer en puissance après, naturellement. On va garder cette énergie-là pour les gens de Lac-Mégantic. Mais pour vous présenter notre minute de silence, j'aimerais vous présenter M. Pierre-Louis Richard, directeur du service des loisirs, culture et vie communautaire, s'il vous plaît. Pierre-Louis, est-ce que tu es là? Et voilà. Là, ce qui est important, c'est de prendre votre chandelle, ceux qui en ont, naturellement. On s'excuse, on a manqué de chandelles. Tout le monde a pris les chandelles. Bravo pour ceux qui ont été les chercher. Et ceux qui en ont, on va naturellement les allumer tranquillement, de façon sécuritaire. Si vous avez un briquet, un lighter, ça va faire pareil, il n'y a pas de problème. Ceux qui ont des cellulaires, c'est la même chose, hein? Est-ce que vous aimez votre spectacle jusqu'à maintenant? Hey, merveilleux! Je pense qu'on a une soirée incroyable. Je pense que ça va rester dans la mémoire des gens de Sainte-Marie, cette belle soirée-là. Je pense que la foule aime bien les pas fins, même s'ils portent un nom bizarre. Là. Alors, Pierre-Louis, j'ai besoin de toi, s'il vous plaît. Alors, les gens qui m'écoutent, on allume nos chandelles naturellement pour prendre le temps. Et je laisse la parole à Pierre-Louis. On va le baisser de deux étages. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Sainte-Marie. Je suis pas un beauceron des natifs, moi. Je suis un beauceron d'adoption. Et il y a deux choses que j'ai apprises des beaucerons. La première chose, c'est être fier d'être beauceron. Merci. La deuxième chose, c'est que entre beaucerons, la solidarité, ça n'a pas de mots. Alors ce soir, vous savez, partout un peu dans la province du Québec, il y a des veillées à la chandelle en hommage, en respect et en soutien aux gens de Lac-Mégantic. Alors ce soir, ce que je vous invite à faire, c'est prendre une minute de recueillement. Je sais qu'il y a des gens de la fabrique qui sont dans la foule aussi, qui sont là. Et je ne suis pas tellement confessionnel, mais je tiens à vous dire que si dans cette minute de silence-là, vous voulez prier, vous voulez adresser des prières aux gens de Lac-Mégantic, sentez-vous très à l'aise de le faire. Pour ma part, je vais prendre une minute de silence avec vous. Et vous avez vu l'énergie que les parfums nous donnent? L'avez-vous vu? On l'a entendu. On prend cette énergie-là, on la met dans notre minute de silence et on l'envoie aux gens de Lac-Mégantic. Beauceron, Lac-Mégantic, on est là. Alors, comment c'est ça qu'une petite chanson? Y en a-tu qui dansent le country? Ah oui, ça, c'est sûr. On a toutes sortes. Vous allez voir, on va passer par toutes les... Oh, yes. Woo! Walk into the room, passing out $100 bills, and it kills and it thrills like the horns on my Silverado grill. When I'm by the bar, double round of crown, and everybody's getting down in this town. It never gonna be the same. Well, I saddled up my horse and I ride into the city. I make a lot of noise, good to go, there are so great things. Riding up and down Broadway, my old Stubby Leroy, and the girl says, save a horse, ride a cowboy. Everybody says, save a horse, ride a cowboy. When I don't give a damn about nothing, and I'm singing and bling blanging while the girls are drinking. Long necks down, and I wouldn't trade old Leroy, oh my Chevrolet, for your Escalade or your Freak Parade. I'm the only John Wayne left in this town. When I saddled up my horse and I ride into the city, I make a lot of noise, good to go, they are so pretty. Riding up and down Broadway, my host, Scotty Roy, and the girl says, save
Rowdy Cowboy. Allez, dans la main, tout le monde est parti. Save a horse. Rowdy Cowboy. Overbred, that's what she said. In the back of my truck bed, I was getting buzz on sud out on some back country road. And we were flying high and fine as wine, having ourselves a big and rich time. And I was going just as far as she would let me go. But her evaluation of my cowboy reputation had me begging for salvation all night long. So I took her out digging frogs, introduced her to my overdog, and I sang every Slayer song I could think of. And we made love, cause I saddled up my horse and I ride it to the city. I made a lot of noise, good thing it was a birthday. Riding up and down Broadway for my whole story, boy. And a girl says, save a horse, ride a cowboy. Everybody says, same a horse, rowdy cowboy. What, what? Same a horse, rowdy cowboy. Everybody say, same a horse, rowdy cowboy. Oui. Thank you. Oh, merci René. Du gaz de musicien. Faut faire ça discrètement. Ouais. Allez, on continue notre festival country. ça vous tente-tu du country ou... Je trouve un petit bain. Ouais, ouais. On pourrait faire, tiens, une chanson de Alabama. Pas Sweet Home Alabama. Non, non, le groupe. C'est une chanson qui se danse en 16 pas. Là, on sait qu'à soir, c'est pas évident dans la pelouse. 16 pas. On peut en faire 14, 15. Mais on fait un 16 step, ça va être bon. OK, une chanson de God Truck. Then I'll float on down the river to change it out away. Rift away like some sawyer, ride around with old dog film. So take a nap, happy when we call. Cross the river to just prove that I'm a man. To spend it being lazy, just be the nature's friend. To climb a long tall acre, bend it over, skin and cat. Playing baseball, Richard Truck, using sound. Music, that comes from the heart. Play something without a feeling, cause that's where music has to start. Oh, play me some mountain music, like grandma, grandpa used to play. Hey!
pratiquer tranquillement. On y allait plus vite. On a des salutations. Hey, on a des salutations de Toronto ce soir. Ça va nous mettre sur la map, ça. Ah, la mère à Valérie. Hey, vous les saluerez de notre part aussi. Garde-tu la guitare sèche? Ouais, on garde la guitare sec. Le Gambler. OK, on continue dans notre festival country. Ouais, ben ouais. Ça va vous pratiquer pour ceux qui vont à Saint-Tite. Il y en a combien qui vont aller à Saint-Tite qui sont ici ce soir? Sûrement comme un, deux. Là, au moins la moitié, je suis sûr de dire. Ouais. Non, ouais. OK, une demande spéciale, une chanson de Kenny. Kenny la barbe éternelle. Alors, imaginez-vous dans un pick-up, dans un rat de gravel. On a warm summer's evening, on a train back nowhere, made up with the gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring at the window at darkness. The bottom overtook us. He began to speak. He said, "Son, I made my life out of reading people's faces, knowing what the cards were, by the way they held their eyes. See if you don't mind me saying, I can see you out of faces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." Oh! So I hid in him my bottle. He drank and I swallowed. Bummed up a cigarette and asked me for a light. In the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, "If you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough to count it when the deal is done." Every gambler knows the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. Simply has a winner, and every head's a loser. And the best you can hope for is to die in your sleep. So when he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out his cigarette, and faded off to sleep. Somewhere in the darkness, the gambler he broke even. And in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold on, know when to hold on, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough to count it. You got to know when to hold up, know when to fold up,
know when to walk away, know when to run. You never count your money when you sing. I'm a fever from Delphi, I know to count it. When the deal is done, you got to know when to hold on, know when to hold on, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough to count it when the deal is done. Thank you, Jait. On va dire tant qu'à Jait. Tant qu'à Jait, ben oui. On vient de la Beauce, hein? On va... Alors, une chanson qui nous a rendu célèbre à travers la planète. OK, à un moment donné, il va y avoir des ho-ho. Fait des ho-ho. Faites pas des ah, faites pas des hi, des ho. Vous allez nous aider à chanter. Alors, on va compter jusqu'à deux. Un, deux. Si, si. Un, deux. Un, deux. Si, si. You're breaking my heart. Woo! You're shaking my confidence, baby. Oh, si, si. On dirait qu'on entend juste des filles, OK? Tout le monde! Whoa, oh. OK, la gang dans la rue, on peut vous entendre, OK? Oh! Whoa, oh! Oh! Ah, y'en a! OK, OK, c'est dur, c'est en anglais, on va le faire en français. Oh, oh, oh! Facile, là. OK, mettons juste les filles, juste les filles. Oh, oh, oh! OK, les gars, faites-nous pas honte. Oh, oh! Un bel effort. OK, les filles circoncis. Oh, oh!
C'est surprenant comme un garçon. All right! Tout le monde! Oh, oh, oh! Aussi, j'ai une demande spéciale tantôt. T'as une demande spéciale? J'y resterai pas les ailes, beau titre. Une chanson, juste pour continuer ou plutôt faire un gros contraste. Tu as demandé une chanson DC, je sais pas si des fois. Oh. Laquelle? On serait-tu dû par hasard? Thunderstruck? Ou Non, genre Shook Me All Night. Ok, on y aller plus. Plus commercial. Plus commercial, OK. Et si des si. Alors, as-tu mangé ton buffer avant? Parce qu'il faut manger un buffer avant avec pour une coupe de lame de rasoir. Shook Me All Night Long. On a ça ici, t'as quelque part, c'est sûr. OK. Chanson qui a été reprise par Céline Dion, n'oubliez pas. Bien sûr. Alors, ça prend une foule en délire. Je triche. Oh, yeah. She was a fat machine, she kept the motor clean. Was the best ever woman that I've ever seen. She had a size, telling me no lies. Not to me. Une petite gorgée pour le château! Oh boy!